Hello la Chanty Family, on espère que vous allez tous très bien. Et bien aujourd'hui, on revient avec une nouvelle vidéo, celle de savoir quelles sont les habitudes qu'on garde pour maintenir notre cool. Les amis, sans plus tarder, likez, commentez, partagez la vidéo, on se retrouve juste après. Les cheveux ne sont pas arrêtés. Ah non, 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 c'est pas une perruque, ce sont mes cheveux les amis. N'oubliez pas de passer vos commandes de la gamme capillaire pour l'entretien et la pousse de vos cheveux. Le restockage et la bifou. Alors les amis, vous savez, dans un couple, il est important d'avoir ses habitudes de vie. Bien évidemment. Des routines, des sorties, comme vous voulez, mais c'est important d'avoir ses habitudes de vie pour garder cette flamme-là, pour raviver cette flamme d'amour. Pour toujours être en accord. Exactement. Parce que vous savez, sans une flamme dans l'amour, tout est morose. Donc voilà. Déjà, nous, comme habitude, on a déjà, pour nous, dans notre couple, on évite les disputes. Oui. Et vraiment, les disputes inutiles, non. On évite parce que vous savez, les disputes tout le temps et tout, ça fragilise le couple. Oui. Ça fragilise le couple. Du coup, à côté de ça, on s'encourage. On s'encourage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si Maman Caviar aujourd'hui décide par exemple de m'offrir quelque chose ou encore de faire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Comme quoi? Comme quoi, comment? Je l'encourage. Donc, non, mais comme quoi? Comme quoi, par exemple, quand tu as prévu préparer quelque chose et moi, il te dit, je ne veux pas manger ça, tu fais des concessions, tu arrives à me satisfaire. Mais donc, dans ça, je te mets en avant et je t'encourage. Et pareillement pour toi également. Ben oui, par exemple, voilà. Moi, mon chéri, c'est moi qui cuisine tout le temps. Donc, les dimanches, quand il se réveille pour me faire une omelette et tout, j'apprécie l'instant, j'apprécie le moment, j'apprécie cette omelette. Je ne dis pas, ouais, amour, il y a trop de sel. Même s'il y a trop de sel, je vais faire genre, oh, amour, c'est bon et tout. Ah, quand donc tu fais souvent ça. Non, c'est pas ce que je vais dire. Ben, tu fais ça, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Je comprends maintenant pourquoi. Et des fois, quand je prépare, elle mange juste un peu. Oh non. C'est pas vrai. L'omelette que tu m'as faite hier, j'ai tout mangé. Pourtant, toi, au début, tu m'as dit à moi, c'est trop salé et tout. Mais c'était bon. Alors, donc c'est ça. Des fois, il y a des jours, il se lève, il fait le ménage. C'est pas clean, comme j'aimerais, comme moi-même, en tant que femme, je fais. Mais c'est déjà ça. Franchement, je sais qu'avant, je faisais pas ça. Avant, quand il se lève pour le ménage, je vais dire, ouais, à moi, ça, tu n'as pas bien fait. Et deux fois, c'est pas bien. Avant, au fait. Aujourd'hui, je reconnais déjà. Ça me décourageait même parce qu'avant, elle me demandait par exemple, non, amour, est-ce que tu peux nettoyer? Est-ce que tu peux ranger ça? Est-ce que tu peux faire ça? Une fois que tu fais, elle répète d'ailleurs, mais non, c'est pas fait comme ça, fallait faire comme ça. J'ai dit, mais non, mais. Non, amour, écoute, ça va, c'est fini, alors, je ne comprends plus comme ça. Et bon, ça, ce sont des choses à ne pas faire, les gars. C'est-à-dire que quand votre chérie essaye de vous faire plaisir, même si c'est pas bien fait, encouragez. Il faut l'encourager parce que vous savez, si vous tombez sur quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui aime se prendre la tête pour tout et n'importe quoi, ça va engendrer des disputes. Ça va engendrer des disputes et puis vous n'allez pas être en harmonie. Voilà. Donc à côté de ça, on essaye de faire certaines choses ensemble, comme par exemple manger. On fait toujours un effort de dîner ensemble. Que ce soit le petit déjeuner, que ce soit le dîner. Le déjeuner, on fait toujours un effort. On fait un effort d'aller au lit ensemble même si l'un n'a pas sommeil ou quoi. On fait un effort. Voilà, on part au lit, on discute, on raconte nos choses. Même si parfois au lit, chacun encore au téléphone pendant peut-être quelques minutes et tout, en train de faire sa vie. Mais au moins, on est au lit ensemble. C'est pas l'autre au salon, l'autre à gauche, non. On se douche ensemble également. Bon, là, c'est un peu bof parce que Monsieur Leroy, il est déjà là. Mais avant que Monsieur Leroy ne soit là, on prenait toujours nos douches ensemble. Quand on pouvait, on le faisait. Et aussi, Non. Prends ton trépied et pars. J'étais dit. J'étais dit qu'il allait venir chercher. Allez, passe. Passe ici. Ici. Il n'a qu'à repasser par où il est passé. Est-ce qu'il va pouvoir passer? Il va pouvoir passer. Il est passé par là, nous. Ok. Au revoir. Là, c'est même ceux qu'on l'a vu en bas là-bas. Oui, au revoir. C'est bon. Ouais. Donc, on essaye de prendre nos douches ensemble. Là, c'est vrai que Monsieur Leroy, il est maintenant là. Ça devient un peu compliqué.
Mais voilà, il y a aussi tout ce qui est... On fait aussi des courses ensemble. Mais dans les courses... Je savais qu'Amour allait dire quelque chose. Je savais. Je veux dire quoi? Ouais, attends. Mais dans les courses, pourquoi il y a le mais? Depuis que moi, je dis qu'on fait ceci ensemble, moi, il n'y a pas de mais. Mais toi, une fois, tu as dit les courses, tu as dit mais. Bon, OK. On fait souvent les courses ensemble. Mais les amis, vous savez vous-même que pour faire les courses avec une femme, il faut avoir le cœur. Parce que moi, je n'en peux plus. Personnellement, je n'en peux plus. Qu'elle me dise qu'on part acheter telle chose, arriver là-bas, elle fait le tour du magasin. C'est-à-dire qu'elle passe devant même la chose qu'on a prévu venir prendre. Elle passe, elle tourne. Donc, toi, tu dois être derrière, en train de suivre les virages à gauche. Non, c'est pas possible. Surtout que les supermarchés d'ici, là, malgré ça, tu viens. Mais oui, mais de rien. Mais en même temps, attends, Amour, en même temps, ça t'a permis aussi aujourd'hui que je puisse t'envoyer aller faire les courses. Mais oui, mais quelquefois. Sachant qu'avant, tu n'arrivais pas à faire les courses quand je te disais, Amour va me prendre telle tomate, tu vas m'emmener autre chose. Aujourd'hui, Même pas ça. Aujourd'hui, même quand on part avec Mama Caviar pour aller acheter un truc, quand elle me dit qu'on part juste prendre deux choses, on arrive, je garde la voiture, je dis, tu restes dans la voiture, je pars acheter. Je prends les deux choses, on fonce. Parce que je sais que. Non, c'est compliqué. Bref, malgré ça, on fait toujours les courses ensemble. Toujours et toujours. On s'est fait des soirées cinéma aussi. Parfois, elle m'oblige à regarder des séries qui ne me concernent pas. Mais oui, mais toi aussi, parfois, tu m'obliges à regarder les séries de Dish, Wawan, John. Elle me fait regarder les séries des empereurs, des princesses, des reines, d'amour, les films de Noël. Ça va. Donc, les amis, malgré c'est tout ça, en fait, créer cette cohésion dans le couple et tout. Et à côté de ça, on prend le temps de discuter quand il y a quelque chose. Oui, on discute beaucoup. Et aussi, vous savez, nous déjà, on sait ce qu'on appelle la routine. Vous savez, quand vous êtes en couple, tout le temps être ensemble, être au même endroit, c'est pas bon. Donc, nous, on a pris l'habitude aussi de beaucoup voyager ensemble, découvrir d'autres endroits, passer du moment ensemble. Avant, quand M. Laurent n'était pas encore là, on avait plus de temps pour nous, c'est-à-dire on pouvait s'évader dans un endroit où nous sommes deux semaines ensemble. On pouvait aller un coup de tête comme ça, se dire, allez, Amour, on va en week-end, là, à gauche, à droite et tout, sauf que là, on ne peut plus se permettre parce qu'il y a le petit qui est là. Parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Quand il y a une troisième personne, c'est plus comme quand on était à deux, quoi. Ouais. Donc, il y a tout ça, mais ça ne veut pas dire que le fait que Monsieur Leroy... Bon, en fait, l'arrivée de Monsieur Leroy a fait en sorte qu'on puisse doser pour accorder ce temps-là à Monsieur Leroy. Il a besoin d'amour, d'affection. Il a besoin qu'on lui accorde pour le moment toute notre attention. Mm-hmm. Je vous assure qu'à partir de l'année prochaine, on reprend mon cœur. On reprend le vouga. Bien évidemment. déjà, il y a beaucoup de choses qu'on faisait, qu'on ne fait plus. Comme le bougou. Mais c'est bon. Je n'ai même pas voulu dire. Si! Je ne peux pas vous dire. Je te connais, Amour. Ok, bon. Je te connais. Bon, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Les amis, renforcez vos liens dans votre relation. Exactement. Cassez la routine. Exactement. Évitez les disputes inutiles. Votre couple connaîtra des jours heureux. Donc, les amis, likez, commentez et partagez la vidéo. On se retrouve prochainement.